ce qui est intéressant dans notre monde, c'est la diversité. Donc il faut que chaque place, chaque lieu conserve ses caractéristiques. Alors pour ça, il faut accepter l'existence d'une architecture éclectique qui existait avant. On a retrouvé en fait dans ces populations qui sont super authentiques encore aujourd'hui. C'est vraiment une deuxième peau, quoi. C'est-à-dire le chef de famille est étalonné, c'est lui qui va donner l'unité de mesure de l'habitat et tous les éléments de construction, tout va être basé sur son propre corps.